Salut, bon matin. Donc, je vais parler ce matin là, des droits de la personne handicapée, mais il y a tout le temps le MEA qui s'appelle le bémol. Donc, le bémol, c'est qu'il ne faut pas outrepasser les droits. Ça prend tout le temps une évaluation, une réévaluation. On va prendre le cas de, mettons, un trisomé qui est rendu à 55 ans, là, qui est surprotégé par des parents âgés parce que, bien entendu, la plupart des trisomiques, c'est un enfant qui est de naissance de parents âgés, donc c'est la raison. Donc, ils surprotègent leur enfant unique qui est handicapé dans l'histoire, dans cette histoire-là. Il faut surtout pas offenser, là, puis mettre l'accent, c'est le droit de la personne handicapée, il vient pas offenser mon fils, là, sur tel ou tel, il a le droit à sa vie, est-ce qu'il a le droit à la paternité? Donc, quelque part, il y en a qui sont entre parents, qui sont, on dit, peu connaissants. Là, on va faire la liste encore une fois. Bon. Dans les parents âgés qui ont eu un enfant qui est trisomique, on a des parents qui sont d'ancienne mentalité, on a des parents qui ont une certaine rigidité sur leur époque, on a des parents qui sont vieillissants, qui ont pas, on a des parents qui n'ont pas évolué, on a des parents qui sont peu connaissants. Donc, déjà, on dit à votre âge, vous avez décidé d'avoir un enfant. Déjà là, c'est comme il y a un manque de jugement. Et le beau petit mignon est trisomique. Donc, ça, c'est là, je suis juste à la lettre B. Ils utilisent leur enfant pour baver la société. Donc, ils vont utiliser l'enfant handicapé pour baver la société. Comment les détecter? Après ça, on peut se poser une autre question. Il y en a d'autres qui vont dire, oh, moi j'en ai une autre raison, un autre exemple, un autre fait, une autre question. Des parents abusés par leur propre enfant parce qu'il peut vieillir, puis il peut devenir violent envers ses parents. Puis le système peut utiliser aussi, comme le système va utiliser des crachats. On sait que la ville de Québec utilise toutes sortes d'humains, de personnes qui sont programmées, utilisées, et qui sont utilisées. Absolument, le but, c'est pas mal tout le temps le même but, hein. C'est détruire un témoin ou prendre l'argent. Que ce soit l'argent d'un immeuble, l'argent d'une famille ou l'argent d'une entreprise ou le lieu ou soit l'attrait du lieu ou soit l'attrait monétaire. Donc on dit mais comment qu'on peut faire pour ça prend des trucs et astuces honnêtes pour arriver à dire mais comment est-ce que je peux faire on va revenir à l'exemple là, le monsieur trisomique là, il est rendu à 55 ans. Puis ses parents ils ont comme 80 ans, ils sont très rigides là, puis ils sont au courant des droits à la personne handicapée, ils protègent leur enfant. Mais ils utilisent cet enfant-là pour baver. Donc, est-ce qu'il a été prémédité, qu'on dit fabriqué pour une torpille à baver là? Hey, comment tu parles à mon enfant? Tu parles contre une personne handicapée? Ou donc, ça, tu peux enlever, effacer le mot trisomique handicapé, puis tu peux mettre d'autres mots, TDAH, une différence d'aspect physique, un obèse. Donc, tu peux effacer trisomique, puis placer d'autres mots. Si tu comprends pas, tu pourrais ouvrir un salon de toilettage, fais ce qu'on dit, prends les sous, c'est tout. Donc, continue à expliquer là, que sinon, ce n'est pas une histoire parce que ça existe pour vrai. Et être victime, là, on dit, je donne l'exemple des fois.